je suis Christelle Lizy, la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Petit cours d'escalade, enfin petit partage, on va dire, sur comment faire un nœud en 8 facilement, ou voilà, comment je le fais moi, et puis je vous montre. Un nœud en 8 pour m'attacher au bout de cette corde et grimper en haut de la paroi. C'est-à-dire cette corde, ça s'appelle un brin, le brin, c'est le bout de la corde. Et donc, faire un petit nœud en 8 pour pouvoir ensuite monter en tête. Monter en tête, c'est quand justement je monte pour pouvoir ouvrir la paroi et assurer. Sauf que moi, je monte toute seule. C'est un bon exercice pour être, on va dire, conscient, centré. Je ne vous conseille pas de le faire, bien évidemment. Parce que normalement, grimper, c'est monter, c'est pratiquer à deux la grimpe. Maintenant, vous faites comme vous le sentez. Moi, je fais toute seule parce que c'est une paroi très très facile. J'arrive en haut. Je redescends en rappel à l'aide du 8, qui est ici, le descendeur, et je m'auto-assure en montant. Donc, tout de suite, vous prenez le brin, vous prenez un mètre à peu près, même un peu plus. La corde est comme ceci, vous passez comme ceci à l'intérieur, ça donne ça. Tac. Vous attrapez le morceau et vous tournez autour. D'accord? Une fois que vous avez tourné autour, hop, ça donne ceci et on passe à l'intérieur. Et là, ça vous donne un 8. On passe à l'intérieur de la boucle. D'accord? Ça vous donne ceci, vous tournez autour. Alors, dans l'autre sens peut-être, hein, comme ça. Et ensuite, vous passez à l'intérieur, par là. Tac, derrière. Un nœud en 8. Vous voyez, vous tirez, ça fait un 8 quoi qu'il arrive. Si vous vous trompez, ça fait un nœud tout court. Donc, c'est simple hein, pour reconnaître. Une fois que vous avez fait ça, vous passez le brin dans le ponté. Le ponté, c'est les deux espaces du baudrier. Moi, j'ai deux boucles. Vous allez jusqu'au 8, là. Et ensuite, je vais m'approcher. Vous suivez tout simplement la corde où vous avez votre 8. Donc là, j'ai mon 8 qui est comme ceci. On va faire comme ça, voilà. Donc comme ça. Vous passez à l'intérieur. Là, voyez bien. Ensuite, je suis l'autre corde, en fait, je suis cette corde-là qui forme le 8. Je la suis tout simplement pour former un double 8. Toc. Là. Ensuite, je tourne comme ceci. Et je passe à l'intérieur et ça ressort vers le haut. Et là, on a un double 8. C'est simple, c'est vraiment là. Hop. Alors, c'est un nœud qui se fait et qui se défait facilement. Mais là, vous êtes attaché, c'est un double 8, tout simplement. Voilà, j'avais envie de partager ceci. Donc, je vais grimpouiller un petit peu sur ma petite paroi préférée. C'est un bon travail de centrage, de solitude, de conscience. Je grimpe à pieds nus. Voilà, mes petits pieds sont pas encore formés. Ça fait pas longtemps que je marche pieds nus. Donc, le temps de réadapter mes pieds à la terre. Et puis de grimper sur cette paroi là, c'est un bon exercice parce que de sensation en fait, la conscience est dans le corps justement, et je suis dans le souffle. Ça permet vraiment d'être consciente et d'être présente pour ne pas faire de bêtises. Donc c'est bien de se centrer avant si vous n'êtes pas centré, et puis sinon faites-le à deux pour faire de l'escalade à deux également. C'est beaucoup plus sécurisé. Et voilà, je vous souhaite une excellente journée sous ce soleil merveilleux et radieux de cette journée, et puis pensez au petit pouce bleu. Mouah ! Je vous fais des gros bisous. Bye bye.